Et yop là, et bonsoir à tous, bienvenue sur stream. Ah, et ben il y a déjà plein de monde du coup, c'est Brosette, VRS, salut avec Rim, tous les gens, la pluie dans le menu. Je pense qu'ils ont. Ouais, ils savent que j'ai un problème de upload. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on met des éléments qui bougent dès le menu, comme ça au moins, on va bien lui courir son stream, et ça c'est cool. Du coup, au programme ce soir, on a découvert The Rez, qui est un jeu de parcours, apparemment en troisième personne. Ça va être très axé speedrun, avec des wall rides, avec plein de trucs comme ça. Voilà, donc c'est cool, on va se lancer ça. Restant de la semaine, donc j'ai mis le planning en ligne. Donc demain soir, donc Stay Away and Listen, épisode 3, on fera la fin de Torchlight, et puis sûrement quelques maps de Torchlight, à mon avis on aura le temps. Mercredi, découverte de Sears Isle, un jeu que j'attends vraiment en génératif qui a l'air vraiment super cool, hein. C'est les Français qui font ça. Ok, ça marche, Poutz. C'est à l'heure. Donc, ouais, mercredi, Sears Isle, qui a l'air vraiment, vraiment cool. C'est un jeu que j'attends beaucoup. Jeudi, Distance, parce que le jeu il sort enfin en version définitive après X années en Early Access. Et vendredi, normalement, Cross Brothers. Sachant qu'encore, je suis pas encore sur ce du vendredi ou du samedi. Si j'ai mes parents qui remontent de vacances, mais je sais pas s'ils viennent dormir le vendredi ou le samedi, quoi. Donc s'ils viennent dormir le vendredi, bah du coup il y aura Warframe le samedi et ou Cross Brothers le samedi, enfin j'irai bien quoi. En bref, tout ça pour dire vendredi samedi, je sais pas trop comment ça marche quoi, voilà. C'est pas encore du sûr. Et j'ai mis aussi le planning de la semaine prochaine. Du coup la semaine prochaine. Hop là, planning. Du coup, la semaine prochaine, donc le lundi Epic Clone, parce qu'il faut comme je le stream, hein, ça fait à chaque fois que je repars, donc voilà. Le mardi, donc Stay Away and Listen, donc épisode 4, et en fait j'ai décidé de commencer Titan Quest Anniversary Edition après Torchlight. Le mercredi, Steel Empire, qui est du shmup horizontal. Jeudi, The Messenger. Vendredi, Trials Arisen Tales, enfin c'est Arisen Tales Trials, qui est du platformer. Bof, on verra. Et le samedi du Warframe, voilà. Allez, zou. C'est parti. Et sinon, je me suis fait un grog aussi, j'ai mal à la gorge. Voilà. C'est bon, vous savez tout. Super, super chaud. Allez, zou. Je me dirais, c'est la zik, elle est pas trop forte, ça me pète un peu les oreilles en fait. Non, moi je pense que je vais la baisser direct. Bien, ça suffit. Allez, nouvelle partie. Les mines. Alors, il y a 6 mondes apparemment. 6 mondes et 60 niveaux. Alors, course 1-1. Super Fit Fighter 2. Donc voilà notre personnage. Ah, c'est n'importe quoi. Wow. Ça ne bouge pas, elle se vit et quand c'est boum. D'accord, donc en fait le jeu t'es obligé de bouger sans tu meurs. Très bien. C'est speed mais avec des chaussures plutôt qu'un bus. Alors, ah mais on court avec RT, c'est même pas avec le stick en fait.
Rang B. Ah, là j'ai rang A, ok. Pas moins que dans le décor, bah je sais pas. Peut-être que si, ouais. Slay Empire, c'est genre en remake du vieux Mega Drive et Empire Story, hein. Rien à voir, je pense. Enfin, je me suis pas du tout intéressé au développement, mais non, je pense à un jeu original. Ça a pas l'air fou, hein, pas te mentir. J'ai récupéré la clé parce que j'avais la possibilité, mais... Ah, là, je viens de débrouiller le saut. S'améliorer. D'accord. Tu as un segment de saut, ouais. Ou les segments, les segments de saut. Les segments de saut, voilà, pour comparer. Ok. Les pierres à charge peuvent être utilisées pour charger tes chaussures. Merde. Je pense qu'on aura beaucoup de rampées. Putain, le stomp m'a fait tomber. C'est vraiment bizarre d'avancer avec la gâchette droite. Ah zut. Ah, il y avait un fragment de saut là-haut. Bien regarder les décors pour un... Mince, pour pas rater les évolutions. Dommage. S'améliorer. Du coup, c'est quoi maintenant? Challenger pour sauter à diminuer. D'accord. Bon.
crois pas. Peuvent arriver là. Ok. Il va en faire une réaction. Bah ouais, apparemment. 8-25 pour le rang suivant. Ouais. Ça m'éloigne encore le saut. Ok. Oh, elle me s'est moins fait avoir là. Avec double jump poster, dans Force of Fame, mais ouais. Il faut ramper jusqu'à avoir toutes les améliorations. Bah, je sais pas trop, ouais. J'aurais pensé qu'à moins d'avoir le rang A quand même. Mais... Ça passe. Je pensais que je m'étais vautré là. Ouais, rang 1. Waouh. Du coup, je sais pas si un rang S de caché ou pas. Parce que quand on fait rang B, ils disent combien il faut pour le rang A, mais quand on fait rang A, ils disent pas combien il faut. Après, si c'est un rang S, ouais, c'est pas déconnant que ce soit caché, quoi. Ok, donc là, c'est les bumpers, en tout cas. Oh, je pensais tellement que ça allait passer. Dérapage. Avec LT maintenant, je vais faire des drifts. Hein. C'est juste assez. Ah, mais t'es. Non! Ah!
peux cut à un endroit. Bon, en fait, tu vas même pas vraiment de cut là. Enfin, tu es cut où en fait là? Après, elle est foutue au start. Ah si, il y a une, il y a complètement une voie là. Les hitbox, elles sont pas folles hein, quand même. Ouais, rang A quand même, alors que j'ai une seconde de moins, je sais pas. Tu me diras, il suffirait de. Il suffirait d'aller voir les succès en fait. Hein. À moins qu'il y en ait des cachets. Mais j'ai déjà fait celui-là. Pour leur faire celui-là. Bah. Ah d'accord, c'est la une, c'est celle-là en fait, pardon. Ah non, c'est pas que je vous dis que j'ai un drift maintenant. Il y a rang S devant un nœud à l'horizon, d'accord. Bon, ouais, donc il y a rang S alors. Ah, il y avait un truc à gauche. Quoi? Merde. En fait, j'ai oublié, mais faire des drifts ça coûte de l'énergie donc, à moins d'être vraiment obligé, t'en fais pas en fait. Je sais pas s'il y a des wall rides ou pas. Enfin, c'est sûr qu'il y en a, mais je sais pas si je peux déjà en faire ou pas. En faisant comme ça, je peux les récupérer et repartir à droite quand même. Oh non. Honnêtement, pour l'instant, c'est un peu cool le jeu quand même.
Mince. Bah merci pour le follow, Kersalon. Hein. C'est obligé que ça passe. Hop, je sais pas, je trouve qu'il y a des problèmes de collision par moment comme là. Le coup d'avant, je me suis bouffé un truc, je sais même pas ce que c'est. Je vais absolument le récupérer là, le bonus. Là. Oh, puis le truc que j'aime pas trop, c'est. Ah, c'est bon, je l'ai. Ça, c'est marrant, vous avez vu le. Mon ghost en fait, c'est une sorte de petite étoile là, qui avance. J'ai rien dit en fait pour aller le drift, je peux le faire sans, sans prendre d'énergie. Ce sera pas ça. Encore bien convaincu du drift quand même. Ah si, là. Oh... C'est pas seul, hein. Mais genre... Mais non! Bordel! Ça marchait tellement vite que du coup. Ça serait cut de partout le jeu. Ouais, je sais pas trop. Si je pense. Je crois même qu'il est. Je crois que c'est même indiqué dans la description Steam. Que le but c'est de trouver justement le meilleur chemin. Mais je sais pas, c'est peut-être. C'est peut-être l'ambiance, mais ça me.
J'avoue que ça prend pas trop là. Pourtant d'habitude j'aime bien ce genre de jeu, mais là je sais pas, je trouve fade ou dans ça. Puis les hitbox, ouais, je les trouve assez grossières. Quoi. Et des fois tu touches un peu le décor. Allez. Merde. Mais d'accord, quand tu votes trop, en fait, tu peux passer le niveau depuis le menu. Ok. Bizarre. Enfin, c'est pas plus mort, ça évite d'être bloqué, mais... Ça va se rendre, non? Ouais, puis je suis pas ultra fan en fait de la mécanique de... Je vois pas comment je peux faire là. Eh mince. Il y a des bonnes idées. Ouais, peut-être. Alors, ce qui est bizarre, c'est que finalement le saut est limité. Et le drift, qui est aussi une compétence, n'y est pas, donc... Non, c'est le début.
Et pourquoi maintenant il me semblait que le premier coup je l'ai pas sauté? T'es sûr que ça consomme l'énergie, Drift? J'ai l'impression que ça consomme rien. Ouais, le fait de courir, c'est de la recharger, effectivement. Et pourquoi ça marche plus, alors? Je comprends pas. Le premier coup, j'avais pas de temps, pourtant. Et puis le drift, c'est bien utilisé en fait. Hein. Oui, d'accord, c'est marrant ça. Ok, avec cette plateforme, en speedrun tu peux choper le momentum. C'est possible, ouais. Après, c'est tout ce que je leur souhaite, hein, parce que clairement, le... ce genre de jeu, t'as envie qu'il y ait du speedrun dessus, hein, sinon... sinon t'as raté ta cible, quoi, mais... Et merde. Oh, comme c'est chaud. Yeah, amélioration de batte. Oh, mais amélioration de drift, pardon. Ah, pareil, je pensais que j'avais le troisième aussi, et non. Attrape pas.
Raté. S'il te plaît. Eh merde. Alors en fait ça, quand tu meurs assez, tu peux passer le niveau et depuis menu pause. Ah merde, bah non, mais là. Par contre, il va être tendu à choper le. L'amélioration va être vraiment tendue, quoi. C'est un angle un petit peu à la con pour la récupérer, non. Ouais, ça a passé 10 000 fois, là. Ouais, que de rift, ouais. Peut-être moyen de contourner par. C'est ça, je dis, enfin. C'est bizarre. Des fois, j'ai l'impression de faire autant la même chose et ça passe pas, quoi. C'est. Tu peux drifter en l'air, je pense pas, non. Oh, je suis prêt, quoi. En même temps, je suis pas obligé de prendre ceux du. Je sais pas pourquoi je vais absolument prendre ceux du milieu. Bon. Je pense que juste avec ceux de la fin, ça me recharge assez bon boost. Hein. Ou pas. Ouais, ça passe pas, hein. Pourtant, j'y croyais à droite, hein, mais. Mais le jeu a dit non. Ouais, mais c'est trop chaud là de. Oh, faut que j'arrête d'accélérer peut-être. Hein. Si j'arrête d'accélérer, je vais mourir.
Et là, je comprends pas pourquoi ça m'a pas boosté plus loin en avant. Il y a vraiment des problèmes, t'entends? Je sais pas, j'ai l'impression qu'avec la physique, qu'il y a la physique du jeu, merde, des fois. Le coup d'avant, il y a aucune raison que le bumper m'ait pas propulsé plus loin. Et alors, pourquoi? Enfin, la même chose, j'ai pas relâché la gâchette, enfin, y'a aucune raison que qui m'ait poussé moins loin que ce coup-ci, quoi. Aptitude inconnue. Ok. À dire que c'est la déception là, ce serait Bah, ce que j'ai regardé, mais j'ai rien vu de spécial en fait. Ouais, je pense que c'est vraiment le problème avec la physique du jeu qui, des fois, ça bug en fait. Pas tout comme là où. Ou vu que je suis arrivé pile sur le rubber, bah le temps que le truc il tombe, bah, ça t'arrête directement quoi. Mais pourquoi j'ai sauté? Bon, dans un jeu orienté speedrun, quand t'as la physique qui est buggée par moment, c'est pas possible. Quoi. Ok, je me rends compte que c'était les trois sauts restants, en fait, c'est les trois jokers finalement. Ça c'est horrible ça quand ça arrive comme ça quand. Quand t'arrives juste sur le bord du truc, tu peux pas... Ouais, t'es puni. Si t'arrives sur le bord de la plateforme, elle commence à tomber directement et du coup tu te bouffes leur bord. C'est complètement débile. Hein. C'est complètement débile. Hein. Donc en gros, les plateformes qui tombent, faut surtout pas arriver sur le bord, sinon, bah, sinon t'es mort. Ça a aucun sens. Ouais, quand tu te votes sur les niveaux, en fait, au bout d'un moment, ils te demandent si tu veux les passer. Et apparemment, tu peux en passer 3, en fait. T'as le droit à 3 de joker. Renté? Ah oui, quand même.
Oh non! C'était drifté, je préfère TM. Non mais ouais. Je pense que je vais pas tarder à arrêter, parce que je suis vraiment pas. Allez, s'il te plaît, quoi. Oh merde. Putain, mais c'est. Franchement, c'est relou, hein, le. Les problèmes de physique par moment. Enfin, là, y'a aucune raison que j'aille moins vite, quoi, c'est. Ouais, je crois que j'ai terminé le deuxième monde et puis. Ouais, j'ai un petit coup d'œil vite fait au troisième et je pense que je m'arrêterai là parce que. Sinon, vraiment, le jeu il me plaît pas. Il n'y a aucune raison que je tombe. Aucune raison. J'ai récupéré les filets. J'ai récupéré les trucs, j'ai sauté. Allez, mais putain, t'es resté à le prendre ces virages, quoi. Et saute! Pourquoi tu sautes pas, quoi? Ah, c'est horrible! Ah, il rend fou, mais pas pour les bonnes raisons, quoi. T'as des fois ton perso qui se raccroche un peu à une à un truc quoi. Tu sais pas pourquoi des fois il se raccroche un peu à un angle ou un truc, enfin c'est. Pourquoi? À quel moment le jeu me renvoie pas ça au miroir hein?
ta mère. Allez, s'il te plaît. Ah mais je pense que c'est des endroits où tu peux te cut. Hein. Je te dis, il me semble que la description du jeu, c'est écrit que justement tu peux trouver des raccourcis. Là, déjà je peux cut comme ça. Ta mère. Alors ça je pense pas que je puisse sauter en arrière quand même. Explique-moi là pourquoi, d'un coup là il saute pas assez haut. Les bumpers c'est la plaie hein. Celui-là, tu veux repartir dans la toile, je peux pas, hein, c'est à la grille quoi. Non, je crois que je suis comme vraiment obligé de faire le chemin par tout droit, mais. Mais sois pas con, mon dérapage. Ouais, je crois que ça sent le rage kit parce que vraiment je m'amuse pas. Ça a aucun sens, ça a aucun sens. Putain, le truc il m'envoie à l'autre bout du monde quoi, putain, mais. Regarde-moi ça, quoi, mais putain. Oh là là. En plus, il y a la caméra qui fait un demi-tour. Et du coup, si t'es pas bien aligné, tu peux même pas te, enfin, tu peux pas te rattraper. C'est impossible, quoi. En gros, c'est soit ça s'envoie dans le bon sens, soit ça s'envoie pas dans le bon sens, mais. Ça, oh là, mais l'enfer quoi. Ouais, c'est en direction, ça dépend en fait comment tu rebondis dessus quoi. Suivant comment tu rebondis dessus, bah ça t'envoie soit pile poil tout droit, soit ça te met une diagonale là quoi. Et nique-toi le jeu.
Non, mais j'ai terminé le boss quand même, ça veut dire j'ai fini deux mondes quand même. Après, je sais pas si je. Si je... Non, mais en plus, faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Si je fais pas n'importe quoi, il y a moins de les finir quoi, parce que. Mais bon. Mais ouais, non, vraiment, le jeu, je suis très déçu quoi. Alors, je m'attendais pas au jeu de l'année, hein, évidemment, mais. Bon voilà, je m'attendais à pas faire un... Mais ta mère, je m'attendais à pas faire un bon moment quand même, quoi, alors que là... Honnêtement, depuis le début, c'est vraiment super plat, y'a rien de... Y'a rien qui m'intéresse vraiment, quoi. Et le pire, c'est que le vrai... Le vrai truc qui est différent de ce jeu, c'est le fait de... Que ça consomme de l'énergie et que c'est à zéro, tu meurs, quand même. Et ça, je trouve ça pas terrible, quoi. Enfin, je trouve pas que ça apporte un quelconque plus au truc. Donc en plus, la feature principale, je la trouve même pas. Oh là. Non, j'ai sauté, mais quel con. Mais quel con. L'explosion, waouh.
Mais là je suis bloqué dans le mur, sans déconner. Je suis pas vraiment convaincu par la nouvelle appli que tu viens faire, moi. En gros, c'est juste qu'au lieu que le décor il bouge tout seul, c'est moi qui le fais bouger, quoi. Mais... C'est ça qui est relou. Si je ramène déjà dans leur jeu de speed, ont tout compris avec moi. Ah, donc je suis obligé de sauter. Grâce à toi, j'ai une amélioration de pitié inconnue. Ah mais c'est une nouvelle la pitié inconnue en fait. Bon, allez, hop, c'est bon. Ça va se fouler. En rang S là-dedans hein, pour avoir le succès là. Bah j'avoue que pouvoir choper des améliorations non débloquées je... Il y a du rang S hein, quand même.
Bon, par contre, il a pas l'air d'avoir trop de joueurs, il y a 8 pages. Ouais, bah vraiment pas convaincu, honnêtement. C'était comment baisser là-dessus? Ah, du coup ils sont deux, alors bah c'est dessus en fait. Ouais, c'est dommage, graphiquement j'aime bien la DA, je trouve plutôt pas mal quoi, mais ouais je sais pas, je trouve qu'en jeu y a rien qui me... y a rien qui me donne envie de créer art, en fait. Puis ouais, il y a des bugs, des collisions, des trucs comme ça qui font que ça me saoule au plus haut point quoi. Non, plutôt déçu, hein, vraiment déçu. Tant pis. Il est quoi les 11h20? Bah du coup je vais faire un petit coup de Book of Demon.